Notre voyage continue dans le plus romantique des lieux, Paris au XIXe siècle, par un brillant matin d'été. C'est le 1er juin 1885. La population de la ville, déjà réveillée et pleine de vie, commence sa journée alors que les teintes vives du lever du soleil remplissent le ciel. Les marchés s'installent pour le quotidien, les fleuristes ont leurs portes grandes ouvertes, les sabots des chevaux frappent le sol. Les gens vont et viennent. Si vous écoutez très attentivement, vous pouvez entendre les sons oscillants d'un accordéoniste jouant la mer sur l'une des nombreuses places de la ville, ici et là. C'est un jour très important. Et maintenant, avant de commencer, voulez-vous les bonnes ou les mauvaises nouvelles d'abord? Ah, un optimiste. Et c'est très bien. Finissons-en rapidement avec les mauvaises nouvelles. L'homme que je voulais que vous rencontriez est malheureusement mort. Nous arrivons trop tard et il est déjà parti. Aujourd'hui est le jour de ses funérailles. Ce sera une affaire d'État et on s'assurera de lui présenter nos respects plus tard. Mais la bonne nouvelle est qu'il nous a laissé la clé dont nous avons besoin. Et mieux encore, il l'a laissé avec quelques explications utiles. L'homme en question était un géant national et aimé par beaucoup. Il est probable que la majorité de la population de la ville fera une apparition et présentera ses respects aujourd'hui. Et nous le ferons aussi, mais d'abord, nous devons ouvrir ce paquet et examiner la clé. Donc allons-y. Désolé, quoi? J'ai fait une erreur. La mer ne peut pas être jouée à cette époque parce qu'il n'a pas été enregistré avant 1945. Ah, bien vu. Mais je ne mens pas. Écoutez attentivement. Pouvez-vous l'entendre? Vous ne le pouvez pas, n'est-ce pas? Anachronisme. La représentation de quelqu'un comme existant ou quelque chose se déroulant dans un ordre autre que chronologiquement ou historiquement correct. Une erreur par rapport aux dates, toute erreur qui implique un mauvais positionnement des personnes ou des événements dans le temps. Donc, tout ce qui est étranger à l'époque spécifique ou hors de celle-ci. Le temps devient étrange. Maintenant, l'homme en question était indéniablement l'un des plus grands gardiens du temple qui ait jamais vécu. Il y a une grande controverse quant à savoir si cet homme était en fait un franc-maçon. Certains auteurs affirment qu'il l'était, tandis que d'autres prétendent qu'il était rosicrucien ou martiniste. Mais son travail est imprégné de riches références et d'images qui rappellent la franc-maçonnerie. Et, plus important encore, tout son mode opératoire, en ce qui concerne son travail, le révèle comme franc-maçon. Je vous présente Victor Hugo. Victor Hugo est toujours à ce jour célébré comme l'un des plus grands écrivains qui ait jamais vécu, et à juste titre. Beaucoup sont directement et indirectement familiers avec certaines de ses plus célèbres œuvres, notamment Les Misérables et Notre-Dame de Paris, qui est autrement connue sous le nom du Bossu de Notre-Dame. Et malgré son implication louche dans l'élaboration du grand mensonge que nous sommes tous venus à considérer comme fait historique, la prouesse de son talent littéraire est indéniable. Même dans la traduction, la maîtrise de la langue par Hugo fait pâlir son homologue anglais Charles Dickens en comparaison. Un vrai géant de la littérature. Vous voyez, avant l'invention de la télévision, les citoyens du monde avaient besoin d'être divertis et manipulés, sous une forme ou sous une autre, en dehors du journalisme. Les romanciers du XIXe siècle ont été tout aussi déterminants dans l'élaboration du récit historique que les historiens. Ils ont moulé et façonné le récit pour les personnes de tous les jours et l'ont présenté dans une forme digeste et passionnante, avant que les historiens académiques ennuyeux et fatigants puissent commencer à façonner leur programme d'études institutionnalisées. Les romanciers étaient à l'avant-garde de la fabrication du mensonge pour le grand public. Et c'est la même méthode de programmation que nous expérimentons aujourd'hui. Combien d'entre nous ont en fait fouillé dans les archives historiques à la recherche de notre histoire? Et combien d'entre nous ne l'ont pas fait, mais ont appris à connaître le passé à travers des films et des séries télévisées? Si vous vous familiarisez avec la littérature du XIXe siècle en général, vous apprendrez vite que la fiction, le roman, la nouvelle et la poésie fonctionnaient de manière similaire à nos programmes de télévision et nos films,
dans le sens où, premièrement, ils ont permis aux acteurs d'apprécier des histoires généralement mélodramatiques ou romantiques qui sont captivantes, mais aussi dans le contexte d'une histoire pas très précise. C'est une tactique de manipulation très intelligente, et de nombreux films, tels que Gone with the Wind, Braveheart, Forrest Gump et d'autres encore, ont employé avec succès de telles méthodes. Mais c'était les écrivains du XIXe siècle qui ont inventé cette méthode de captation et de manipulation, en plaçant une histoire fictive dans un contexte historique supposé factuel, ou en d'autres termes, en écrivant un mensonge dans un mensonge. Des exemples de ce genre de programmation macro-historique incluent Les Misérables, où Hugo place son histoire de multiples vies fictives entrelacées au milieu d'une toile de fond historique qui commence avec la défaite de Napoléon en 1815 et culmine avec la rébellion de juin contre la monarchie en 1832. Ce roman est notoire pour ses longues digressions, qui représente plus de 900 des 2700 pages du récit. Ces digressions prennent la forme d'essais, dans lesquels Victor Hugo réfléchit sur des sujets tels que la bataille de Waterloo et la pléthore d'orphelins dans la France du XIXe siècle. Nous avons donc un écrivain qui tisse une fiction très lisible, et dans ce cadre, qui entrelace divers essais qui solidifient le faux récit. Et le lecteur, déjà amoureux de l'histoire fictive, n'a pas d'autre choix que de se frayer un chemin à travers ses essais, de peur de manquer les principaux développements narratifs clés avec les personnages fictifs qu'ils ont appris à aimer. Et beaucoup d'écrivains utilisent exactement cette technique de programmation macro-historique, c'est-à-dire en intégrant leur histoire dans un récit historique plus large. Nous le voyons dans la chronique de Léo Tolstoï sur l'invasion française de la Russie et l'impact de l'ère napoléonienne en temps de guerre et de paix. Nous le voyons aussi dans le récit de Dickens sur la Révolution française, A Tale of Two Cities, et dans Le Dernier des Mohicans de James Cooper. Et deuxièmement, le roman est devenu un moyen parfait pour les plus hauts placés, les élites culturelles et les maçons, de jouer leur petit jeu et cacher des choses à la vue de tous. Pour ceux qui aiment remettre en question la validité du récit historique, les romans de Victor Hugo se lisent comme une série de messages codés. Nous avons la voix qui porte l'intrigue principale, qui est fermement ancrée dans un contexte historique et que le lecteur quotidien absorbe avidement. Et puis, une autre voix parallèle, celle qui est dans le secret et qui parle à d'autres personnes également dans le secret. Une grande partie de ce que vous cherchez est cachée de bien des façons dans la littérature du passé. Et afin de tirer le meilleur parti de certains de ces écrivains, j'aimerais vous présenter quelques techniques littéraires à rechercher et qui vous aideront à votre rythme. Tous les indices que vous cherchez sont enfouis dans la littérature. Tout est là, dans la fiction, qui attend d'être déchiffré et reconstitué. Nous utiliserons principalement Notre-Dame de Paris de Hugo comme exemple. Nous allons couvrir certaines de ces techniques d'abord, et ensuite nous discuterons de la clé qu'il nous a laissée. Et s'il vous plaît, soyez patient avec moi pendant que nous continuons. Vous verrez que je ne cherche pas à utiliser ou à déformer ces exemples pour les adapter à une théorie, mais plutôt le contraire. Avant de nous plonger dans ce sujet, laissez-moi vous présenter un peu Notre-Dame de Paris de Hugo, au cas où vous ne seriez pas familier avec ce livre. Il a été publié en 1831, mais l'ensemble des événements du récit se déroule à la fin du Moyen-Âge, plus précisément en 1482. Et c'est pendant cette période de temps que la Renaissance commence à prendre son élan. C'est une période similaire dans laquelle les jésuites et les astronomes commencent à construire le mensonge héliocentrique. Le texte est anachronique par nature. Hugo compare et oppose fréquemment son époque actuelle, le XIXe siècle, avec l'époque révolue du Moyen-Âge, dans laquelle les événements du roman se déroulent. L'intrigue mélodramatique générale de l'histoire s'articule autour d'un enchevêtrement d'engouement dans lequel trois personnages centraux, Claude Frollo, le diacre de la cathédrale de Notre-Dame, Captain Phoebus, un des chevaliers de haut rang du roi, et le sonneur de cloches défiguré, Quasimodo,
dirigent leur amour et leur convoitise vers une bohémienne orpheline, danseuse de rue nommée Esmeralda. Avec ces trois hommes qui se disputent l'amour d'Esmeralda, les choses ne peuvent bien sûr que finir en désastre. Et c'est dans cette toile enchevêtrée de passions éphémères qu'Hugo tisse des ruminations complexes et subtiles sur notre histoire cachée. La première de ces techniques est l'utilisation de l'anachronisme. L'ensemble du texte d'Hugo est anachronique dans le sens où il se déroule en 1482, mais la voie narrative du livre est très proche du 19e siècle. Le type d'anachronisme le plus courant est le suivant, un objet mal placé dans le temps, et le livre de Hugo, Notre-Dame de Paris, en contient beaucoup. Il y a beaucoup de descriptions et de phrases qui sont hors de leur place et de leur contexte. Et Hugo utilise l'anachronisme non pas pour faire avancer l'histoire qu'il essaye de raconter, mais plutôt pour faire progresser la fausse narration historique. Par exemple, la première fois qu'il voit le mystérieux personnage Esmeralda danser sur une des places de la ville, l'écrivain Gringoire s'exclame que s'il avait eu toutes les richesses du Pérou dans sa poche, il les aurait certainement données à la danseuse. Mais Gringoire n'avait pas le Pérou, et de toute façon l'Amérique n'avait pas encore été découverte. La référence de Gringoire au Pérou, ici, est hors de propos en l'an 1485. Si nous devons croire le récit historique, alors les Amériques et le Pérou n'ont pas encore été découverts. Un personnage de cette période ne devait pas connaître le Pérou. Il aurait été plus réaliste pour lui de s'exclamer que s'il avait toutes les richesses du roi de France. Mais Hugo utilise les richesses du Pérou, une image apparemment inutile et irréaliste, pour aucune autre raison que de renforcer l'idée auprès de son public du 19e siècle que les Amériques n'ont pas été découvertes en 1482. L'anachronisme est l'une des principales techniques de nombreux écrivains du 19e siècle, en particulier Sir Walter Scott, employé pour construire et façonner le mensonge historique pour un public non averti. C'est Hugo qui remplit la mission pour laquelle il a été engagé. Mais il y a un autre Hugo dans ce texte, plus espiègle, qui ne peut s'en empêcher. Et si nous regardons de plus près les nombreuses imageries du récit, selon notre propre perspective, nous voyons à quel point Hugo ose être espiègle. La technique suivante est ce que j'appelle la dissimulation dans le figuratif. Quand je dis figuratif, je veux dire dans les descriptions, les comparaisons, les métaphores. Vous vous souvenez que la Bible emploie fréquemment l'image d'arbres géants pour décrire les Néphilim. C'est un exemple de dissimulation dans le figuratif, de dissimulation d'une vérité potentielle dans le langage descriptif lui-même, la propre forme subtile de l'auteur de dissimulation à la vue de tous. Dickens le fait au début de La Maison sombre, quand il décrit les rues boueuses de Londres, comme si les eaux venaient de se retirer de la surface de la terre. Et c'est partout dans Notre-Dame de Paris de Hugo. Par exemple, quand elle reste dans les tours de la cathédrale Notre-Dame, sous la protection de Quasimodo, le chagrin d'Esmeralda est transformé par le tintement des énormes cloches au sommet des tours. Les cloches l'ont surtout apaisée. C'était comme si ces énormes machines déversaient sur elle un magnétisme puissant qui faisait que chaque lever de soleil la trouvait en paix, respirant plus facilement, moins pâle, toutes ses blessures intérieures guéries. Comme c'est très intéressant, les vibrations et les fréquences de ces énormes cloches qui se déversent sur elle avec un puissant magnétisme qui restaure sa santé. Vous voyez, dissimulé dans le figuratif. Et le texte entier est plein d'exemples comme celui-ci. Hugo étire à la fois le langage figuratif pour peindre un riche portrait du Paris médiéval tout en s'amusant un peu de son côté. L'île de la Cité à Paris est décrite par Hugo comme un grand bateau coincé dans la boue et échoué avec le courant près du milieu de la Seine. Coincé dans la boue, dites-vous. Et alors que la foule s'approche du palais de justice, Hugo la décrit comme un flot de personnes. Aux badauds qui regardent par leurs fenêtres, écrit-il, que la foule présentait l'apparence d'une vaste mer dans laquelle une douzaine de rues, comme autant d'embouches de rivières, dégorgent continuellement des flots frais de têtes.
Les vagues de ce flot humain se répandant sans cesse se brisaient contre les coins des maisons. Au centre de la haute façade gothique du palais se trouvait le grand escalier. De haut en bas, il coulait sans cesse un double flot se brisant sur la volée centrale de marche, puis s'étalant en larges vagues sur ses deux volées latérales. L'escalier se déversait sans cesse dans ce lieu comme une cascade dans un lac, le courant entraînant la foule entière vers le grand escalier, se transformant en turbulence et tourbillon. Avec notre compréhension théorique actuelle de l'utilisation potentielle et la vénération de l'eau par l'ancien monde, ce passage devient immédiatement très intéressant. Grâce à l'utilisation de la comparaison, les gens sont comparés à une inondation d'eau, et ce faisant, Hugo transforme les rues et les routes en un système d'eau courante. Les escaliers des vieilles structures deviennent des cascades dont l'eau incessante se déverse en flux et reflux, s'étendant et se brisant contre l'architecture. De plus, l'utilisation de l'imagerie des inondations ici rappelle Dickens et son ouverture de Bleak House et évoque immédiatement des images de l'inondation biblique et de l'étrange et insaisissable inondation de boue. Et cela laisse vraiment les curieux se demander ce que Hugo savait. Est-ce que Hugo nous dit que ces structures ont été inondées, ou nous dit-il que la plupart des routes n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, mais que Paris ressemblait plus à Venise, une vaste métropole aquatique? Encore une fois, dissimulé dans le figuratif. Cherchez bien, il y a de nombreux exemples qui attendent d'être trouvés dans la littérature du XIXe siècle, et certains sont très, très intéressants. Et puis, il y a la divulgation partielle. Tout au long de Notre-Dame de Paris, le récit d'Hugo s'éloigne souvent du drame en cours et s'engage dans des délibérations sur l'architecture. Et ce faisant, il divulgue souvent des informations que nous, le lecteur, ne devrions pas connaître. Et il ne nous donnera pas une image complète. Bien sûr, il ne le fera pas, mais il ira jusqu'à confirmer certains soupçons. Par exemple, en parlant de l'emprisonnement d'Esmeralda, Hugo écrit « Au Moyen Âge, une fois qu'un bâtiment était terminé, il y en avait presque autant dans le sol qu'à l'extérieur. Dans les cathédrales, c'était comme si c'était une autre cathédrale souterraine, basse, sombre et mystérieuse. Ces puissants bâtiments, dont la méthode de formation n'avait pas simplement des fondations, mais pour ainsi dire, des racines. Ainsi les églises, les palais, les forteresses avaient de la terre jusqu'à leur taille. Les caves d'un bâtiment étaient un autre bâtiment. » Écrivant au XIXe siècle, ce que Hugo confirme ici à son public du XXIe siècle est ce que les soi-disant théoriciens de la conspiration criaient depuis longtemps, que ces cathédrales, palais, châteaux ne s'arrêtent pas là où ils rencontrent le sol, mais continuent, et pas seulement sur quelques mètres, mais qu'ils sont enterrés très profondément dans le sol, enterrés dans la terre jusqu'à la taille, comme il le dit si bien. Et si c'est une divulgation partielle, car bien que Hugo ne nous dira pas pourquoi ces structures sont à moitié enterrées dans le sol, son explication selon laquelle elles ont été construites de cette façon au Moyen Âge n'est pas suffisante. Il confirme que oui, en effet, elles se poursuivent jusque dans les profondeurs des rues en dessous de nous, et elles vont loin. Et au fur et à mesure que le roman progresse, il devient très évident que les descriptions de Paris et de son architecture faites par Hugo, telles que celles-ci, ne sont pas une coïncidence. Il savait exactement ce qu'il faisait avec ce texte, et cela devient encore plus évident dans la dernière technique littéraire dont je veux vous parler, avant que nous regardions cette clé. Cette technique est l'allégorie. La métaphore allégorique, ou l'allégorie, est un procédé que de nombreux écrivains utilisent pour transmettre des significations semi-cachées ou complexes à travers des figures symboliques, des actions, des images ou des événements qui, ensemble, créent le sens moral, spirituel ou politique que l'auteur souhaite transmettre. Et bien que cela semble complexe, vous êtes probablement très familier avec l'allégorie. Par exemple, dans ses romans classiques pour enfants, C.S. Lewis utilise l'allégorie sous la forme du lion Aslan, dont la mort et la résurrection sont parallèles à celles de Jésus-Christ.
L'affaire des animaux de George Orwell est une allégorie politique et satirique du communisme en Russie au début du XXe siècle. Pour comprendre l'utilisation par Hugo de l'allégorie et Notre-Dame de Paris, nous devons regarder de plus près les personnages centraux du roman. Le premier personnage est sans aucun doute le plus célèbre, même pour ceux qui ne sont pas familiers avec le texte, est Quasimodo. Quasimodo est un orphelin paria, banni de la société parce qu'il est défiguré, qui vit à Notre-Dame sous le patronage de Claude Frollo, l'archidiacre. Quasimodo est décrit par Hugo comme ayant une grosse tête hérissée de cheveux roux et entre ses épaules une énorme bosse. Il a un nez tétraédrique, une bouche en fer à cheval, des dents irrégulières. Il est aussi large qu'il est grand et affiche une parfaite laideur. Comme l'écrit Hugo, il ressemblait à un géant brisé en morceaux, puis mal raccommodé. Tout au long du roman, Hugo décrit la taille de Quasimodo comme gigantesque, le dépeignant souvent comme une sorte de cyclope. Quasimodo est notre gentil géant typique. À l'extérieur, il est hideux, mais à l'intérieur, il est gentil et chaleureux. Il est aussi dérouté et amoureux d'Esmeralda, la bohémienne orpheline qui gagne sa vie en dansant dans les rues de la ville. Esmeralda danse et fait de la magie de rue avec sa chèvre de compagnie, et bien que les Parisiens aiment la regarder faire, ils la soupçonnent aussi de magie noire. Ils l'appellent l'Égyptienne, la sorcière, la païenne. Et puis nous avons le maître, le patron de Quasimodo, Claude Frollo, qui tient une position d'archidiacre de Notre-Dame, qui est un grand mince, effrayant, contrôlé et amer. Il est secrètement amoureux d'Esmeralda et la traque silencieusement dans l'ombre. Il y a une obscurité qui entoure Frollo, et il est l'un des principaux antagonistes du récit, un méchant tragique. Il a également un secret. Comme l'explique le narrateur, les habitants de la ville voyaient souvent une étrange lueur rouge intermittente apparaissant, disparaissant, réapparaissant, à de courts intervalles réguliers, provenant d'une des hautes tours de la cathédrale Notre-Dame, tard dans la nuit. Les vieilles parisiennes s'exclamaient « Voici l'archidiacre à son soufflet, et l'enfer étincelant là-haut ». Les locaux décrivent Frollo comme un sorcier, mais ils préfèrent le titre d'alchimiste. J'espère que vous vous souvenez de notre lecture du livre de Falconelli, Le mystère des cathédrales et des métaux. Et comme tous les alchimistes, Frollo est obsédé par le fait de transformer le plomb en or. L'or, explique-t-il, c'est le soleil. Fabriquer de l'or, c'est être Dieu. Le soleil est né du feu. Le feu est l'âme du grand ensemble. La lumière, l'or, c'est la même chose. Le feu dans son état concret. La différence entre le visible et le palpable. Le fluide et le solide. Car c'est la même substance, de la vapeur à la glace. C'est tout ça. Comme dans l'œuvre de Falconelli, nous avons Hugo qui place la figure d'un alchimiste du Moyen Âge au travail, directement à l'intérieur d'une de ces énormes et magnifiques cathédrales. Et non seulement cela, mais nous avons le portrait d'un alchimiste obsédé par le soleil, et il décrit le soleil comme étant fait de la même source qui produit l'or. Frollo prétend que comme la vapeur est fluide et la glace solide, le feu du soleil est le fluide et l'or est sa contrepartie solide. Il est intéressant de noter que Hugo passe du temps dans le roman à se lamenter sur la destruction de la statue de Saint-Christophe ou, comme j'espère que vous en rappelez, Ophérus, qui résidait dans Notre-Dame et qui est venu symboliser la grande connexion entre l'alchimie et les cathédrales. En contraste frappant avec Frollo, nous avons enfin le capitaine Phoebus, un chevalier de haut rang du roi de France. Phoebus est de naissance noble, il est beau, vaniteux, arrogant, indigne de confiance et aussi un coureur de jupons invétéré. Les femmes l'adorent, il obtient ce qu'il veut quand il le veut. Il n'est pas amoureux d'Esmeralda, mais il la convoite sexuellement et est déterminé à la séduire, à l'utiliser et à l'oublier. Phoebus est le second antagoniste de l'histoire. Éprise de la beauté et de l'assurance de Phoebus, Esmeralda tombe bien sûr totalement amoureuse de lui. Et ce qui est très intéressant est la décision de Hugo d'appeler le capitaine Phoebus,
Dans la mythologie grecque, Phébus est le dieu du soleil. Dans la mythologie romaine, ce dieu est appelé Apollon. Et dans une étrange tournure d'événements tordus, Phébus n'a pas seulement séduit Esmeralda, mais il permet aussi à Frollo de se cacher dans un placard et regarder. Mais Frollo a d'autres plans que le simple fait de regarder Esmeralda être séduite. Dans une rage frénétique de jalousie pour son amour pour Phébus, il sort du placard et tente de poignarder Phébus à mort. Celui-ci ne meurt pas, mais survit, et Esmeralda est accusée. Et à son tour, elle est condamnée à mort par pendaison. La tentative de Frollo de tuer Phébus et l'accusation d'Esmeralda déclenchent une chaîne d'événements dramatiques qui mènent au secours in extremis de celle-ci par Quasimodo, qui l'emmène à la cathédrale Notre-Dame où les deux orphelins vont trouver refuge. Mais ce n'est pas suffisant, et toute l'intrigue se transforme en chaos. Et les deux orphelins meurent d'une mort atroce, et la cathédrale Notre-Dame finit incendiée et brûlée. Maintenant, rappelez-vous qu'une allégorie est une technique littéraire dans laquelle l'auteur transmet un sens caché ou complexe à travers des figures symboliques, des actions, des images ou des événements. C'est un récit dans lequel un personnage, un lieu ou un événement est utilisé pour délivrer un message général sur des problèmes et des événements du monde réel. Et à première vue, l'allégorie de toute l'intrigue d'Hugo n'est pas vraiment claire ici. Mais si nous appliquons notre clé maîtresse, alors nous ouvrons la voie vers la compréhension de son message. Ce que nous avons ici est une foule de personnages ou figures symboliques qu'Hugo présente comme représentatif des tensions bourgeonnantes qui émergent à la fin du monde médiéval. Nous avons le personnage de Phébus, il est indifférent, arrogant, beau et glorieux, et tout le monde gravite autour de lui, surtout la danseuse Esmeralda, qu'il aime au point de le vénérer. Si le choix du nom de Phébus par Hugo place directement un personnage comme une personnification du soleil au-dessus de nos têtes, alors sa caractérisation d'Esmeralda comme une voyageuse bohémienne païenne que les habitants de Paris appelaient la sorcière ou l'égyptienne est symbolique du culte païen du soleil. Le bohémien est linguistiquement très proche du romain. Hugo s'assure ainsi que son lecteur associe indirectement ce personnage avec les pratiques d'adoration du soleil de l'Égypte et de la Rome antique. Mais comme le soleil lui-même, Phébus est indifférent à l'adoration d'Esmeralda ou à toute autre forme de culte dirigée vers lui par ses admirateurs païens. Nous avons aussi une autre forme de culte du soleil dans la figure de Claude Frollo, qui personnifie la corruption de l'Église et son intégration de l'adoration du soleil à travers ses pratiques occultes en tant qu'alchimiste de la cathédrale. Il est obsédé par la découverte des secrets de la formation du soleil et sa relation avec le métal or. L'amour de Frollo pour Esmeralda et son rejet de lui en faveur de Phébus représentent l'ambition futile de l'alchimie d'essayer de créer le paradis sur Terre, d'aller trop loin en jouant à Dieu, d'essayer de maîtriser le soleil, chose qu'elle ne pourra jamais faire. Elle peut essayer, mais l'alchimie ne pourra jamais atteindre celle du soleil. Et Frollo, l'alchimiste, consumé par l'envie et écrasé par son infériorité induite par cette prise de conscience, tente alors de tuer le soleil. Et ce faisant, il déclenche une chaîne d'événements qui mènent à la chute de nombreux personnages, dont le point culminant est la pendaison d'Esmeralda à la fin. Et qui sont les victimes de toute cette histoire? Ce n'est pas Esmeralda. Sa réticence à reconnaître le vide derrière son adoration du soleil, sa passion pour la lumière, conduit à la souffrance des vraies victimes de l'histoire. Et c'est tout d'abord Quasimodo, le géant aux cheveux roux, qui est mis au banc de la société, et dont le seul lien réel est avec la cathédrale où il vit et ses cloches. Le second est la cathédrale elle-même qui finit par s'enflammer et s'embraser. Au sommet de la plus haute galerie, au-dessus de la rosace centrale, s'éleva une grande flamme entre les deux clochers, avec des tourbillons d'étincelles, une grande flamme furieuse et irrégulière. Le culte de la lumière et la tentative de dominer le soleil aboutissent à la chute de l'ancien monde symbolisé ici par Quasimodo et la cathédrale.
Intéressant, n'est-ce pas, que Quasimodo soit dépeint comme un géant aux cheveux roux. Nous avons aussi le motif récurrent du culte du soleil et cette fois, une tentative de tuer le soleil, qui bien sûr ne meurt pas. Il est endommagé et changé à jamais, mais il revient quand même invaincu. Endommagé et changé. Comme c'est intéressant. Phébus est le soleil invaincu. Pourquoi trouvons-nous le soleil dans les monuments historiques, la littérature et la mythologie, représentés comme non conquis? L'allégorie de la fin du Moyen-Âge de Hugo place à la fois le soleil comme un catalyseur central de cette fin et renforce l'importance des personnages clés tels que l'alchimiste, le païen, l'Église et les géants de cette époque. J'espère que vous commencez à voir à quel point le texte d'Hugo est essentiel pour ceux d'entre nous qui essaient de naviguer dans la déception boueuse déversée sur notre histoire. Et je ne saurais trop insister sur ce point. Si vous vous engagez dans cette direction, alors Notre-Dame de Paris est une lecture obligatoire. Sinon, vous allez tourner en rond. Et je vais vous montrer pourquoi, avec la clé que Victor Hugo nous a laissée. Est-ce qu'un gardien du temple de haut rang peut développer une conscience? Peuvent-ils s'arrêter et regretter la direction que prend le monde? Une direction pour laquelle ils ont eux-mêmes joué un rôle inestimable en nous y dirigeant? Peut-être. Les pages les plus intéressantes de Notre-Dame de Paris de Hugo se trouvent dans deux des principaux essais qu'il incorpore dans le tissu de la fiction du texte, intitulé Notre-Dame et Une vue à vol d'oiseau de Paris. C'est dans ces essais qu'Hugo réfléchit et discute de la manière dont le Paris médiéval qui existait avant que la Renaissance ne batte son plein diffère de son Paris contemporain du XIXe siècle. Et Hugo n'était pas impressionné ou heureux de ce contraste. En fait, il était plutôt consterné et en colère. Laissez-moi vous lire quelques extraits de ces essais. Il ne fait aucun doute que l'église de Notre-Dame de Paris est encore aujourd'hui un bâtiment sublime, majestueux. Mais malgré toute la beauté qu'elle a préservée en vieillissant, il est difficile de réprimer un soupir, de réprimer de l'indignation sur les innombrables dégradations et mutilations que le temps et les hommes lui ont simultanément infligées. Sur le visage de cette vieille reine de nos cathédrales, à côté de chaque ride, vous trouverez une cicatrice. Le temps dévore, l'homme dévore encore plus. À partir des différentes traces de destructions imprimées sur l'ancienne église, la part du temps serait moindre, celle des hommes la pire, surtout des hommes de l'art. Sur le décalage, Hugo se lamente d'une mutilation de Notre-Dame et dessine dans le sable pour nous une distinction très réelle entre l'usure des mains du temps, lui-même, les rides que nous voyons sur la structure, et la destruction barbare des mains de l'homme, surtout des hommes de l'art. Hugo emmène ses lecteurs jusqu'au sommet de la cathédrale en leur demandant de prêter attention aux innombrables actes de barbarie de toutes sortes. Qu'ont-ils fait? Demande-t-il. De ce charmant petit clocher qui se dressait au milieu de la croisée. Un architecte de bon goût l'a amputé, répond-il. Et il a jugé suffisant de dissimuler la blessure avec ce grand patch de plomb qui ressemble à un couvercle de casserole. Et maintenant Hugo entre dans le vif du sujet et commence à mettre beaucoup de choses en contexte et en perspective pour nous. Faites bien attention à ce qu'il dit maintenant. C'est ainsi que l'art merveilleux du Moyen-Âge a été traité dans presque tous les pays. L'architecture gothique est aujourd'hui défigurée par trois types de ravages. Les rides et les verrues de sa peau sont l'œuvre du temps, ces marques de violence, de brutalité, de contusion, de fracture, l'œuvre des révolutions et des guerres, les mutilations, les amputations, la dislocation de ses membres, les restaurations sont les travaux de professeurs barbares grecs et romains et des modes. Les modes ont fait plus de mal que les révolutions. Elles ont coupé dans la chair vivante, attaqué la structure osseuse de l'art en dessous. Elles ont taillé, charcuté, disloqué, tué l'édifice dans sa forme et dans son symbolisme, dans sa logique comme dans sa beauté. Et ensuite, ils l'ont refait, effrontément, au nom du bon goût. Ils ont empilé sur les blessures de l'architecture gothique.
leurs misérables babioles d'un jour, leurs rubans de marbre, leurs pompons en métal, une véritable lèpre de surcharge, de parchemins, d'entourages, de draperies, de guirlandes, de franges, de flambeaux de pierre, de nuages de bronze, de cupidons joufflus et de chérubins gonflés. C'est le coup de pied au cul du lion agonisant. C'est le vieux chêne se décomposant et comme un coup final se fait piquer, mordre et ronger par des chenilles. La première chose qui doit être précisée ici, c'est que Hugo ne veut pas nous donner toute la vérité. Il ne va pas décrire clairement à quoi ressemblait l'ancien monde, qui étaient ses citoyens, comment ils fonctionnaient en termes de gouvernement, de vie quotidienne, ses capacités technologiques, et à quel point il différait beaucoup du XIXe siècle. Cela, il ne le fera pas, ce n'était pas son travail. Et il n'aurait jamais été publié s'il l'avait fait. Tous les vrais secrets de l'ancien monde ont été délégués à la dissimulation dans le figuratif et ne seront pas abordés. Mais, comme ces passages le montrent explicitement, Hugo était scandalisé de voir à quel point l'ancien monde avait été ravagé, mutilé, détruit et effacé par son époque actuelle du XIXe siècle. Et vous devez vous demander, quoi? De quoi parle cet Hugo? J'ai vu les vieilles photographies de Paris au XIXe siècle. C'est merveilleux. Vous n'avez clairement pas vu ces photographies des expositions universelles de Paris, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je les ai vues. Nous allons y venir, mais d'abord, concentrons-nous sur ce que Hugo nous dit. Ce qu'il nous expose clairement ici, c'est que 1. Il y a une énorme distinction entre l'architecture gothique du Moyen Âge, qui s'est terminée dans les années 1400, avant que la Renaissance ne commence, et le style d'architecture qui a suivi. Et 2. Ce qui a suivi s'est concentré sur la défiguration des structures gothiques. Ils ont charcuté, disloqué et tué ces structures gothiques du passé en les remodelant selon de nouveaux goûts plus à la mode, dont ils se moquent ironiquement à la façon de rubans de marbre, de pompons, de cupidons joufflus, de chérubins gonflés, et ainsi de suite. Et 3. Ces restaurations à la mode sont principalement gréco-romaines et appartiennent au travail barbare de professeurs. La mention par Hugo du grec et du romain ici est une référence directe à la Renaissance. Le terme Renaissance a été attribué par les historiens à une période de l'histoire qui marque la transition entre le Moyen Âge et la modernité, et couvrant les 15e et 16e siècles, caractérisée par un effort de faire revivre et de dépasser les idées et les réalisations de l'Antiquité classique. La Renaissance s'est étendue des années 1400 aux années 1500 et, comme de nombreux historiens l'ont déclaré, elle était caractérisée par une renaissance de l'Antiquité classique après un long siècle d'âge des ténèbres où il y avait peu ou pas d'avancées technologiques, nous dit-on. La première chose qui devrait déclencher l'alarme pour quiconque est le terme « âge des ténèbres ». Ce terme a été inventé par un érudit italien, Pétrarque, alors que le Moyen Âge se terminait et où il affirmait qu'au milieu des erreurs brillaient des hommes de génie dont les yeux n'étaient pas moins vifs, bien qu'ils soient entourés d'obscurité et de denses ténèbres. Pétrarque a capitalisé sur la métaphore chrétienne de l'obscurité contre la lumière et a marqué la période de 1000 ans du Moyen Âge comme étant l'obscurité et la nouvelle Renaissance bourgeonnante comme étant la lumière pour ses aspirations culturelles et ses réalisations. Voyez-vous, pendant la Renaissance, l'homme n'avait plus besoin de faire preuve d'humilité devant Dieu. L'humanité était maintenant entrée dans un nouvel âge et elle débordait de possibilités d'exploration. La société devait montrer sa révérence envers Dieu à travers leurs ambitions de dépasser les frontières, à travers l'avancement culturel, technologique et scientifique. Et c'est durant ce nouvel âge que l'humanité s'est libérée de la prétendue piété stricte qui caractérisait l'âge des ténèbres, et ont commencé à se voir comme Dieu incarné, comme des maîtres de leur propre univers, n'étant plus liés par l'obscurité mais pleinement engagés dans la lumière. De l'obscurité à la lumière. C'est donc au cours de la Renaissance que l'homme a commencé à se voir comme un dieu ou l'égal de Dieu.
Mais comme Hugo l'explique clairement, malgré l'accent mis sur l'avancement et la résurgence, la Renaissance s'est en fait construite sur l'ossature en décomposition de l'épine dorsale de ce qui l'a précédé, l'âge gothique médiéval. La résurgence de l'antiquité classique de la Renaissance, spécifiquement celle du style de l'architecture romaine antique, n'était que spectacle, apparence, façade et décoration, pompons, draperies, guirlandes et rubans. Et c'est encore là que l'alarme devrait se déclencher à nouveau. La résurgence de l'Antiquité classique. Qui ou quoi s'est relevé? L'Empire du Soleil s'est relevé. Rome. Voyez-vous, le grand petit mensonge dans le livre d'histoire est que les gens que nous voyons sur ces photos, et ceux qui sont venus avant, ont construit ces structures par l'innovation pure, avec des chevaux et des charrettes, avec des échafaudages et des appareils en bois, par des méthodes traditionnelles de maçonnerie. Ils ne l'ont pas fait. Mais le grand mensonge est une suppression complète de ceux qui ont réellement tout inventé, ceux qui ont été conquis, et dont l'histoire entière a été mutilée et effacée après leur chute. Alors que les conquérants ont commencé à réaffecter toutes leurs structures et infrastructures avec l'intention de cacher, remodeler, redessiner et revendiquer leur patrimoine. Il y a une distinction très claire qui doit être faite concernant les structures impossibles du passé, des structures dont nous avons discuté jusqu'à présent. Et cette distinction est qu'il y a au moins deux styles très distincts, deux factions distinctes, deux vieux mondes distincts, tous les deux magnifiques, tous les deux merveilleux, tous les deux technologiquement impossibles selon nos standards. Et nous ne pouvons pas pleinement le comprendre tant que nous n'avons pas franchi la première porte. Mais en surface, ils sont facilement reconnaissables. Et bien que cela ne capture pas complètement la complexité de la chose, l'une des meilleures façons de reconnaître cette distinction est à travers l'arche. L'architecture gothique est caractérisée par des structures pointues. Son arche est pointue. Ses énormes cathédrales s'élèvent dans des tours et des flèches pointues. Alors que le style classique de Rome et de la Grèce privilégie les arches et les dômes arrondis et une grande quantité de décadence, souvent accompagnée de statues de Phébus, Vénus, Zeus, Apollon, et ainsi de suite. Ce n'est pas le même style, ils n'appartenaient pas à la même société, et ils sont en fait directement opposés les uns aux autres. Et je sais ce que vous allez dire. Quoi? Vous nous avez dit que les citoyens de l'avenir appartiennent à une seule et même civilisation unifiée. Je sais que je l'ai dit, et encore une fois, pardonnez-moi, mais j'avais besoin, premièrement, que vous contempliez l'impossibilité de ces structures, et deuxièmement, que vous considériez les fonctions technologiques alternatives qu'elles auraient pu avoir. Trop de complexité aurait embrouillé les choses. Mais nous avons maintenant dépassé la nuance. Une civilisation unifiée. Ça ressemble un peu à du globalisme, non? Non, ces structures devant vous ne sont pas les fruits de la même société. Elles sont en fait en opposition directe l'une avec l'autre. Le gothique appartient à l'un et le classique à l'autre. Jusqu'ici, je n'ai pas rendu justice au niveau de complexité véritable du sujet en réalité. Allez-y, je sais ce que vous voulez dire. Et si ce Hugo était un menteur, vous l'avez dit vous-même, c'était un gatekeeper, probablement un maçon ou un trompeur au service de l'élite, et si son petit roman sur un bossu était écrit pour nous mettre sur une fausse piste, je le sais, et vous avez raison, on ne peut pas lui faire confiance. Son travail était de faire vivre l'histoire fabriquée de la France auprès de ses lecteurs du 19e siècle. Là où il a menti dans ce roman, cependant, c'est quand il dépeint le Moyen-Âge comme une période d'une sévère sainteté religieuse, d'archers, de chevaliers à cheval, de croisades. Il ne décrit pas explicitement à ses lecteurs ce qu'était réellement le Moyen-Âge. Mais comme son travail le montre, il était hanté par sa décimation, sa destruction et son effacement pendant la majeure partie de sa vie. Victor Hugo n'écrivait pas seulement de la fiction. C'était un activiste qui tentait activement d'empêcher la destruction généralisée, organisée et bien réelle de l'ancien monde médiéval qui a continué à se produire bien au-delà du XIXe siècle.
En plus de Notre-Dame de Paris, Hugo a écrit plusieurs essais de non-fiction sur ce sujet que tout le monde devrait lire. Un en particulier, intitulé « La guerre contre les démolisseurs », est très important. Il a écrit qu'à cette époque, il n'y a pas une seule ville en France, ni un seul centre administratif où la destruction d'un monument historique n'est pas en considération, déjà commencé ou entièrement réalisé, soit par l'action de l'autorité centrale ou par l'action de l'autorité locale avec l'accord de l'autorité centrale, soit par l'action des individus sous le regard tolérant de l'autorité locale. Les dévastateurs n'ont jamais manqué de justification. Sous la Restauration, les édifices catholiques du Moyen-Âge ont été abîmés, mutilés, défigurés, profanés, de manière plus moralisatrice que tout au monde. Les congrégations ont développé la même excroissance sur leurs églises que celle qu'ils avaient sur leur religion. Ces mutilations se composent de marbre, de bronze, de chaumes et de bois doré. Elles apparaissent le plus souvent dans les églises sous la forme d'une petite chapelle peinte, dorée, mystérieuse, élégante, remplie d'anges coquets, galants et grassouillés, inondés de fausses lumières du jour, comme celle de Saint-Sulpice. À Paris, le vandalisme s'épanouit et prospère sous nos yeux. Le vandalisme est un architecte, le vandalisme s'installe et devient luxuriant. Le vandalisme est honoré, applaudi, encouragé, admiré, sert de divertissement, est protégé, consulté, subventionné, acheté, naturalisé. Le vandalisme est le commissaire aux travaux publics pour le compte du gouvernement. Il est sournoisement installé dans le budget et il le grignote tranquillement, comme un rat fait de son fromage. Et bien sûr, il rapporte de l'argent chaque jour où il démolit le peu qui nous reste de cet admirable vieux Paris. Que sais-je? Du vandalisme en peinture étalée sur Notre-Dame, du vandalisme qui modifie les tours du palais de justice, du vandalisme qui ampute deux des trois flèches de Saint-Germain-des-Prés, un vandalisme qui a ses journaux, ses coteries, ses écoles, ses chaires, ses publics, ses vérités, un vandalisme qui a la bourgeoisie de son côté. Il est bien nourri, bien financé, gonflé d'orgueil, presque sage, toujours si traditionnel, un bon logicien, un théoricien fort, heureux, puissant, qui répond à ses besoins, qui parle bien et qui est content de lui-même. Il protège les jeunes talents, il est professeur, il décerne les grands prix d'architecture. Il envoie des étudiants à Rome, il porte une robe brodée, il est membre de sociétés savantes, il fréquente la cour, il prête bras au roi et se promène avec lui dans les rues en lui murmurant des plans à l'oreille. Vous devez le rencontrer. On ne restaure plus, on ne gâte même plus. On n'en les dit même plus, on ne fait que détruire, et on a de bonnes raisons pour cela. On veut effacer entièrement notre histoire. On dévaste, on pulvérise, on détruit, on démolit dans un esprit national. C'est dans les essais de Hugo que les implications de la clé qu'il nous a donnée commencent vraiment à s'épanouir. Ce que nous apprenons dans l'animosité déchaînée d'Hugo envers la destruction de l'ancien monde médiéval est que, 1. Elle continue bien au-delà du XIXe siècle et prend principalement la forme de l'amputation de sections de structures et redécorées en façade néoclassique. Lorsque la réaffectation n'est pas possible, les structures sont tout simplement démolies. Et que 2, ce ne sont pas des destructions et réaffectations arbitraires et aléatoires, mais calculées, planifiées et organisées. Elles sont prises en compte dans les budgets des autorités locales et nationales en France et par extension dans toute l'Europe. Hugo montre clairement que le budget pour détruire, réaffecter et effacer ce qu'il en est de l'ancien monde médiéval est apparemment sans fin et bien protégé. Même au point que des organisations envoient des étudiants à Rome pour étudier et imiter ces styles en France. Il y a des récompenses pour la réaffectation. Elle est encouragée et normalisée par la propagande des journaux et à travers l'éducation et les systèmes religieux.
Et alors que l'essai continue, l'énormité de tout ce qui a été changé depuis le Moyen-Âge commence vraiment à apparaître au lecteur. Ce n'était pas seulement pendant la Renaissance, au XVe et XVIe siècle, que l'essor du néoclassicisme et son aspiration à effacer l'ancien monde du Moyen-Âge a dominé l'esprit social de l'époque. Comme l'affirme justement Hugo, en ce qui concerne les édifices que l'on construit à la place de ceux que l'on détruit, nous n'accepterons pas le changement. Nous ne le voulons pas. Ils sont misérables. Tous les monuments du XVIIe siècle, même s'ils sont mieux que ceux du XVIIIe et bien au-delà de ceux du XIXe, quelles que soient leurs belles allures, quelles que soient leurs grandes impressions, les monuments de Louis XIV sont comme ses enfants. Beaucoup d'entre eux sont des bâtards. Comme vous pouvez le voir, cet agenda de réaffectation a continué au XVIIe, XVIIIe et se produisait encore au XIXe siècle. Nous avons devant nous 500 à 600 ans de destruction, de révision et de réaffectation. L'affirmation selon laquelle il y aurait eu une réinitialisation au XIXe siècle est mal calculée, sous-estime et simplifie grandement un programme très complexe qui s'étendait sur un demi-millénaire et qui était composé d'une série de petites réinitialisations qui avaient toutes pour but d'effacer l'ancien monde médiéval et de construire et solidifier le mode de société dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et alors, pourriez-vous demander, qui se soucie de savoir quand la réinitialisation a commencé et quand elle s'est terminée? Paris et la plupart des endroits du monde que nous voyons dans les photographies du XIXe siècle ont l'air glorieux. Tout ce qui compte, c'est qu'ils ont menti et nous ont caché des années et des années de technologie et de connaissances. Je suis d'accord, l'ère victorienne est glorieuse, mais selon nos critères. Et si ce que nous voyons à l'époque victorienne était l'apogée de la civilisation, alors pourquoi Victor Hugo est si en colère? Et pourquoi souligne-t-il qu'il y a eu un programme de réaffectation en cours depuis les années 1400? Que voulait-il réaffecter, dissimuler, modifier, détruire, effacer? Pourquoi était-il si en colère dans les années 1830? Que savait-il? Qu'est-ce qui a précédé la résurgence du style classique de la Renaissance? Ce n'est pas parce que le monde avait l'air glorieux dans les années 1800, et il y a beaucoup de preuves suggérant que ceux entre les années 1400 et 1800 étaient bien plus avancés technologiquement que ce que les livres d'histoire nous disent qu'ils étaient, que nous devons ignorer la complexité entourant la question. Elle est importante pour de multiples raisons, mais principalement parce que le fait d'avoir une ligne de temps plus claire peut nous aider à commencer à classifier, à différencier et à définir ce que nous voulons dire quand nous parlons de l'ancien monde. Parlons-nous d'une période de 1000 ans qui a été perdue, détruite, balayée, sous le tapis, et péjorativement appelée l'âge des ténèbres? La période de 1000 ans pendant laquelle l'immense et magnifique style architectural gothique est né? Ou discutons-nous de la période de 500 ans de destruction, de révision, de réaffectation et de renaissance qui a suivi? Cette cathédrale est très différente structurellement et stylistiquement de ce bâtiment à colonnades. S'il y avait un débat pour soutenir l'existence d'un règne millénaire d'une civilisation, un débat cohérent et solidaire, c'est ici qu'il faut le chercher. Cette période, par contre, représente un demi-millénaire de reconstruction et de révision. C'est ici que nous trouvons l'hégémonie impériale, la domination et l'autorité sur ce qui existait avant, avec un agenda pour l'effacer de l'histoire. Et la seule façon d'y parvenir était de le faire à travers de multiples resets de la population. Cette période, les 500 ans qui ont suivi le Moyen-Âge ou l'âge des ténèbres, était l'âge de la grande transition. Anatoly Fomenko a écrit que l'histoire n'est rien d'autre que notre modèle du passé, et nous avons besoin d'un meilleur modèle, un modèle qui tente de lui rendre justice. Tout ce qui est dans les livres d'histoire n'est pas une fiction complète. Les périodes de la Renaissance, du siècle des Lumières et de l'ère victorienne étaient toutes très réelles. On ne nous a pas dit toute la vérité sur ces périodes. Non, bien sûr, ils ne l'ont pas fait. Il y a une raison pour laquelle ils nous disent que l'appareil photo n'a pas été inventé avant les années 1800. Mais ces époques ont existé et ont fait partie de la grande transition.
Et soyez très prudent lorsque vous tirez des conclusions trop tôt en ce qui concerne un règne millénaire, juste au cas où vous finiriez par glorifier des structures qui ont joué un rôle intégral dans la suppression, le remplacement et l'enterrement de cette même période millénaire que vous célébrez. Les structures qui ont été construites, révisées et réutilisées pendant la Grande Transition ne sont pas représentatives de 1000 années de paix, et nous y reviendrons beaucoup plus tard. Il y a un autre élément de cette clé que j'aimerais introduire avant d'ouvrir la porte et de nous y engouffrer. Dans Notre-Dame de Paris, Hugo s'intéresse à l'écriture des mots. Tant de systèmes qui font partie intégrante de notre mode de vie aujourd'hui ont été introduits à la Renaissance. Non seulement les astronomes et l'Église ont redéfini notre conception de l'univers, non seulement nos méthodes de mesure du temps ont été fermement établies, non seulement le système financier auquel nous sommes encore redevables aujourd'hui est devenu dominant, mais la presse imprimée est devenu essentiel en établissant un nouveau mode d'information et de communication, celui de l'écrit. Dans le chapitre probablement le plus remarquable de tout le roman, Hugo déclare que l'invention de l'imprimerie est le plus grand événement de l'histoire. L'imprimerie va tuer l'architecture. Maintenant, écoutez très attentivement ce qu'il dit. C'est d'une importance capitale. L'architecture a commencé comme n'importe quel système d'écriture. C'était d'abord un alphabet. Une pierre était placée correctement et c'était une lettre. Plus tard, les mots ont été formés. La pierre a été posée sur la pierre. Ces syllabes de granit ont été assemblées. La langue essaya quelques combinaisons. Finalement, ils ont produit des livres. Et ils grandirent, se multiplièrent, se croisèrent, devenant de plus en plus complexes. Ainsi, il continue, pendant les 6000 premières années de l'existence du monde, l'architecture était une grande écriture de la race humaine. Ce livre de granit a commencé en Orient, et la dernière page a été écrite au Moyen Âge. L'architecture, jusqu'au XVe siècle, était l'enregistrement principal de l'humanité. Pendant cette époque, aucun concept d'une quelconque complexité n'est apparu dans le monde sans qu'il n'ait été transformé en un bâtiment. Mais l'imprimerie est arrivée à la Renaissance, et le mot « imprimerie », tel un ver, rongeait, aspirait et dévorait ces bâtiments. Alors que l'architecture diminue, l'imprimerie, elle, enfle et grandit. Ainsi, dès le XVIe siècle, l'imprimerie, maintenant développée jusqu'à égaler la stature de l'architecture en déclin, combat et tue son rival. Au moment où le XVIIIe siècle arrive à son terme, la presse à imprimer a tout détruit. Au XIXe siècle, elle va reconstruire. Ainsi, pour résumer ce que nous avons dit jusqu'ici, l'humanité a deux livres, deux disques, deux testaments, la maçonnerie et l'imprimerie, la Bible de pierre et la Bible de papier. Le passé doit être relu sur ces pages de marbre. Pouvez-vous maintenant voir pourquoi il était peut-être nécessaire pour les conquérants de changer et de réaffecter tant de choses, non seulement pour déstabiliser, détruire et cacher l'entière infrastructure de l'ancien monde, mais aussi pour disperser, briser les histoires et récits que ces structures exprimaient silencieusement, pour démanteler leurs témoignages et ensuite réécrire une histoire fabriquée et propager cette information largement à travers le monde par le biais du livre imprimé. Et c'est une notion très dérangeante. Et s'il y avait une Bible écrite dans la pierre, n'était-ce pas précisément ce à quoi Fulconelli faisait référence? Au fait que les cathédrales avaient un message écrit dans la pierre qui témoignait d'un passé alchimique et technologique? Mais si elle témoignait de plus que cela, les livres peuvent être brûlés, mais la pierre peut aussi être altérée, maquillée ou démolie. Et c'est là que réside un problème majeur pour nous au XXIe siècle. Comment lire les livres de pierre du passé si la Grande Transition a dispersé leur message? Nous devons apprendre à lire, mais la langue que nous devons d'abord maîtriser est celle de la réaffectation et de la révision. Nous continuerons à tourner en rond, à moins que nous ne commencions à faire la différence entre l'ancien monde médiéval et la Grande Transition qui a suivi. Il y a tellement de choses qui attendent d'être découvertes grâce à cette distinction. Et maintenant qu'Hugo nous a donné la clé, nous pouvons franchir la porte et tenter de le faire.
Mais avant cela, il est temps de présenter nos respects. Ses funérailles sont en cours au moment où nous parlons, et comme vous pouvez le voir, une grande partie de la population de Paris est ici en deuil. Hugo était un géant national, une imposante figure de lettres, qui a donné vie par l'écriture aux mensonges de Paris, fait de la même étoffe que ceux qu'il en est venu à mépriser. Un gardien du temple peut-il développer une conscience? La fille d'Hugo était enfermée dans un asile de fous. Ses deux fils, sa femme et sa maîtresse sont également morts, tous dans un laps de temps très court. Et puis, ce fut son tour. Quelques jours avant sa mort, Hugo écrit « Aimer, c'est agir ». Est-ce que son amour pour le vieux monde révolu du Moyen-Âge l'a poussé à l'action pour protester contre sa disparition aux mains de ses conquérants? Est-il devenu juste un peu trop rebelle? A-t-il commencé à délaisser le temple qu'on lui avait demandé de garder? Et est-ce que sa famille a souffert en conséquence? Peut-être, peut-être pas. Nous ne le saurons jamais. Et nous voici de nouveau devant l'Arc de Triomphe. Les funérailles de Victor Hugo ont commencé ici. Un endroit ironique et répréhensible pour commémorer un homme qui détestait les fruits nés de la grande transition néoclassique. Cette arche n'est pas un aimant. Elle n'est pas une technologie de l'ancien monde. Elle a été construite à l'époque où l'on dit qu'elle a été construite. Elle n'a pas été construite par ceux qui utilisaient la maçonnerie traditionnelle, les chevaux et les charrettes. Non, c'est un mensonge. Les portes en arche de l'ancien monde médiéval étaient différentes et avaient une toute autre fonction. Ceci appartient et n'est pas antérieur à la grande transition et servait une fonction primaire, déconcertante dans son impossibilité, oui. Dans sa taille gargantuesque et sa juxtaposition avec les minuscules personnes à ses pieds, oui. Mais impénitent, arrogant, monstrueux et imposant, la déclaration finale de la domination impériale et de la victoire sur le vieux monde médiéval, le sceau du triomphe, un moment de jubilation, figé dans la pierre froide, sa fierté audacieuse dissimulant à peine sa seule fonction, marquer le retour de Rome. Combien de ces arcs de triomphe du même style peuvent être trouvés à travers le monde? Commencez à regarder les dates de leur construction. Ils ont été érigés pour déclarer l'achèvement d'une réinitialisation de 500 ans dans de nombreux endroits du monde. Mais celle-ci semble différente à ce jour, vous ne trouvez pas? Voyez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté le chariot soleil, l'invaincu Phoebus, l'unique Invictus, au sommet de l'arche pour les funérailles. Nous ne voyons pas cette statue dans les photographies de l'arche prise en 1860, 25 ans avant l'enterrement d'Hugo. Donc pourquoi maintenant? Regardez le catafalque créé pour porter son cercueil sous l'arche. C'est digne d'un géant, et c'est le plus grand et le plus décadent que j'ai jamais vu. Voyez-vous comment ils l'ont décoré avec un grand soleil? Ils se moquent de lui avec la même décadence et grandeur romaine. Les rubans de marbre, les draperies, les guirlandes, les pompons et les statues gonflées contre lesquelles Hugo a activement protesté. Ils se moquent de lui comme ils se moquent de nous aujourd'hui. Quand nous avons commencé ce voyage, je vous ai dit que pour reconstituer une image et une chronologie précise de notre histoire perdue était comme essayer de résoudre un impossible Rubik's Cube. Ce n'était pas une hyperbole de ma part. Ils ont travaillé très dur pour enterrer un millier d'années de notre histoire en la ternissant comme un âge sombre. La complexité de ce à quoi nous avons affaire est écrasante. Mais ça ne va pas nous empêcher d'essayer. N'est-ce pas? Alors commençons à faire tourner ces cubes. Nous devons commencer par l'Europe avant d'élargir notre enquête. Nous devons commencer à faire la différence entre l'ancien monde médiéval et la grande transition. Nous devons commencer à établir des définitions et des cadres temporels pour examiner de plus près chaque période ici et examiner de manière médico-légale le tissu même de la réaffectation. Sinon, nous continuerons toujours à faire une grande injustice au passé qu'ils ont essayé de détruire. Allez, la première porte est ouverte et il est temps pour nous de la franchir. Un labyrinthe kaléidoscopique nous attend. Les deux livres de l'humanité,
et il est temps que nous apprenions à lire. Tenez bon, et je vous retrouve de l'autre côté.